Coach Rado, vous, nous sommes avec les volleyeuses en National 1 qui vont reprendre le championnat. Pouvez-vous un peu nous présenter votre équipe pour la nouvelle saison ? Oui, bonjour. On a changé par rapport à l'année dernière pas mal d'équipes. On a changé 6 joueuses, donc collectif est tout neuf, mais avec des filles qui sont bien motivées et c'est là qu'ils ont resté l'année dernière. J'espère qu'avec les travails, on va essayer à produire, on va faire un bon mayonnaise qui va travailler. Mais pour ça, il va falloir le temps parce qu'on est déjà un peu en retard. Championnat, il est bientôt. Il faut qu'on essaie quand même à vite faire attraper les plans physiques, plans techniques. Là, on attaquait un gros volume de travail physique et en même temps, on essaie à remettre les choses spécifiques techniques des volets sur place. On est au complet, c'est ça qui est bien. Pour l'instant, on n'a pas de blessures. Là, on va participer à un tournoi cet week-end pour que ça nous permette de se préparer encore mieux. Dans 12 semaines qui arrivent, pour nous, ce sera les périodes les plus importantes. Un état d'esprit donc de conquête pour cette année ? Cette année, tout le monde, ils sont au courant. Notre ambition, c'est à monter en DOF, à division où on était l'année dernière. J'espère qu'avec le travail, on va l'obtenir. Après, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Blessures, les choses comme ça, on ne peut pas vraiment diriger. Donc j'espère que tout le monde soit bien motivé, en tout cas, pour cette année. Et on va travailler à fond pour qu'on arrive à tirer notre objectif. Votre maître mot donc, pour la saison sera ? Monter. Monter donc et retrouver l'élite. Ouais. Merci l'état beaucoup. D'esprit. Voilà, encore un petit mot à donner aux supporters toulonnais. Sur les supporters toulonnais, l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup. Toutes les filles, on aime bien qu'on a des soutiens de tout le monde. Ça va nous aider beaucoup, ça va nous motiver encore. Donc venez nous voir dans les gymnases. On joue au gymnase de Lys à Toulon, c'est pas loin. On joue ici certains matchs. Vous allez vous faire plaisir, vous allez vous régaler avec notre match. Et vous pouvez nous donner donc quelques noms de nos stars joueuses de l'équipe ? Dans notre équipe, il n'y a pas de stars. Tout le monde sont pareils, les mêmes statuts. Tout le monde travaille les mêmes travails. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. Tout le monde sont pareils. Donc un collectif féminin qui attend que tout le monde brille dans les étoiles. Pour nous, c'est un sport collectif et c'est collectif qui va gagner tous les matchs. Ce n'est pas une seule joueuse parce que c'est notre sport collectif. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente saison 2011-2012. Moi aussi.